Eh bien, salut tout le monde! C'est Farage et on se retrouve en compagnie d'Eren Jaeger dans le camp de base, la veille justement du choix de la répartition des nouvelles recrues dans leur nouveau régiment. Et on s'était laissé devant l'événement entre Mikasa et Armin. Alors allons voir, on va déjà parler à Mikasa. Eren, si tu rejoins le bataillon d'exploration, alors moi aussi. Et si tu rejoins un autre régiment, je te suivrai encore. Tu sais, je ne t'ai jamais demandé ça. Tu mourras en rien de temps si je ne suis pas à tes côtés. Je ne veux pas perdre un seul membre de ma famille. Je suis content d'avoir réussi à décrocher mon diplôme, Eren. Tu vas faire partie du bataillon d'exploration, n'est-ce pas? Oui, ça a toujours été mon objectif. C'est pour ça que je me suis entraîné aussi dur. Je suis enfin assez puissant pour vaincre ces pourritures. Je ne veux plus jamais me sentir faible. C'est à cause de ma faiblesse si j'ai échoué ce jour-là. Ah, petit flashback. マリアが突破された。どうしてこんな目に。あいつらこの世から駆逐してやる。一匹Un camp comprend de nombreuses installations comme la station d'approvisionnement en équipement, pensée à développer un nouvel équipement. Ah bah ouais, écoute. Armin, qu'est-ce que tu as à dire? Je veux rejoindre le bataillon d'exploration. Je ne suis peut-être pas aussi fort que les autres, mais peu importe. Tu es plus intellectuel que manuel. Fais quelque chose de plus technique, tu ne voulais pas devenir instructeur? Je ne veux pas être un poids, même si ça me coûte la vie. Ok. Équipement. C'est ici qu'est stocké ton équipement de combat. Tu peux aussi forger des pièces d'équipement, blablabla. Alors fais voir. Ça, je passe le tuto parce que je pense qu'on comprend comment ça marche. C'est une forge, hein. Fourreau, équipement d'entraînement. Alors, instruction générique. Je peux le faire. Lame de première génération. Lame renforcée. Longueur de la lame plus petite, mais elle fait du 28-40 et là elle fait du 24-20. D'accord, celle-là est moins puissante, mais elle dure plus longtemps. Ouais, enfin là, je pense que je vais faire celle-là, hein.
Honnêtement, je pense que ça vaut plus le coup. Développement terminé, équipé. Oui. Voilà. Ça vaut plus le coup. Ensuite, le fourreau. Alors, les gaz restants. Gaz restant, pression du gaz. Lame restante, d'accord. Donc là, j'augmente beaucoup le gaz restant, mais la pression diminue vachement. La pression diminuera à 40. Donc c'est quand même pas... C'est quand même... Voilà, hein, c'est, je serai beaucoup moins propulsé. Par contre, j'aurai une lame restante. Très honnêtement, je pense que je vais augmenter le gaz, la quantité de gaz restante pour l'instant. Voilà. Et là... Ah merde, il me faut ça, j'ai pas assez d'argent. Mince. Bon, d'accord, ok. Si je fais amélioration par exemple, lame d'entraînement niveau 2, d'accord. Bon, pour l'instant je peux pas, mais... Vendez de l'équipement. Bah du coup je peux vendre mon ancien équipement maintenant, mon ancienne lame, tout ça. Ok. Reviens si tu as besoin de quoi que ce soit, ouais. Et toi tu fais quoi? C'est quoi? Toutes sortes de matériaux, d'accord. Fragments de bambou, bon. Pour l'instant j'ai pas assez d'argent, mais d'accord. D'accord, bon on verra. Ça me fait penser un petit peu là le gameplay à Dragon Quest. Si vous vous rappelez un petit peu. Toi je te parlerai après. D'abord je voudrais voir, c'est quoi ça? Ça c'est pour sortir j'imagine. Non, on va te parler à toi d'abord alors. Félicitations, après 5 années, ils t'ont enfin donné ton diplôme. Ah, je suis désolé de ne pas avoir pu sauver tes parents. C'est le passé maintenant. J'ai une dette éternelle envers tes parents. Le moins que je puisse faire, c'est de rendre l'appareil à leur fils un jour. Alors, d'après la carte, je dois parler à lui. Donc du coup, ça qu'est-ce que c'est? Tu peux ici consulter les archives de l'armée pour revoir d'anciennes batailles. Quelle bataille veux-tu revivre? D'accord, on peut refaire les missions. Ah, ça c'est bien ça. C'est pas mal ça du coup. Bien. Ça c'est bien fait. Alors. Compris, minable, c'est du sérieux maintenant. C'est pas parce que vous êtes diplômé qu'il faut vous relâcher. Oui, chef. À partir de demain, vous affronterez des titans en tant que soldat. Vous vous sentez prêt? Si vous parlez au personnage avec le symbole point d'exclamation, il vous sera demandé si vous souhaitez passer au combat suivant. Ok, d'accord. Bah, allons-y alors, hein. La journée est déjà bien avancée. Préparez-vous pour demain et reposez-vous. Alors, les titans, êtres humanoïdes géants qui se nourrissent d'humains. Même s'ils possèdent différentes tailles et caractéristiques, la majorité d'entre eux ont des corps qui ressemblent à des corps humains masculins. Ils ne possèdent pas d'organes reproducteurs et leur mode de reproduction est inconnu. Ils ne montrent aucun intérêt pour les créatures non humaines. Si des parties de leur corps sont détruites, elles sont régénérées en une ou deux minutes. Cependant, des dégâts importants infligés à la nuque des titans les tuent, sans possibilité de régénération. À sa mort, le corps du titan s'évapore et disparaît. Oui, ce qu'ils disent pas aussi, c'est qu'ils ont pas vraiment de réel système digestif. En fait, ils bouffent les humains, et après ils recrachent les entrailles au bout d'un moment. Hein, mais... Alors, je suis désolé si vous entendez la machine à laver qui tourne derrière, mais bon. うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの、皆さん、長官の食糧庫からお肉取ってきました。そうそう。お前、独房にぶち込まれたいのか。大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。 ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ、作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。 人類の反撃はこれからだ。
壊された。まだだ。まだだ。巨人が入ってくる。 Allez, notre premier titan. C'est parti. Alors, les titans se comportent composent de différentes parties. Pour soumettre un titan, vous devez détruire sa nuque. Mais cette partie du titan est difficile à toucher directement. Commencez par prendre des mesures comme trancher les jambes d'un titan pour restreindre ses mouvements ou ses bras pour l'empêcher d'attaquer. Les parties du corps d'un titan sont uniques, c'est-à-dire qu'elles guérissent progressivement après avoir subi des dégâts. De même, chaque partie détruite d'un titan se régénère. Il est donc important d'infliger des dégâts élevés via des attaques effectuées à grande vitesse, mais aussi de détruire rapidement les parties en enchaînant les attaques. Certaines parties des titans produisent des matériaux lorsqu'elles sont détruites, alors essayez de les viser. Si par malheur vous êtes capturé par un titan, appuyez rapidement sur triangle pour essayer de vous échapper. Si vous n'y arrivez pas à temps, vous serez dévoré. Bon, très bien. Alors lui, on va essayer de tout détruire. Ah bah d'accord. Aïe. Non, je veux pas viser la nuque. D'abord, je lui coupe les bras. Et maintenant, on va lui détruire la nuque. Bon, lui, ça va, c'était pas un titan très réactif. Soumission supérieure. Alors, si suite à l'attaque d'un titan vous êtes dans un état de mort imminente, vos déplacements seront limités de différentes façons. Par exemple, vous vous déplacerez moins vite et vous ne pourrez pas sauter. Vous pouvez vous soigner dans un état de mort imminente en patientant suffisamment longtemps ou en utilisant un fortifiant. Vous passerez en temps de concentration si vous êtes attaqué par un titan alors que vous êtes dans un état de mort imminente. Le temps sera ralenti durant le temps de concentration, alors essayez d'éviter les attaques du titan jusqu'à la fin de la jauge de concentration. Mais attention, le temps de concentration ne peut être utilisé qu'un nombre limité de fois. Ah, il m'a eu! Dis! Lâche-moi! Saloperie! Voilà. Fortifiant, réussi! Allez, à nous! Bon, ça va, ils sont pas très réactifs ces titans. Je pense que quand on tombera sur des titans plus réactifs, ce sera autre chose. Mais là, ça va. Alors, un grand titan. Là, il y en a deux cette fois. Allez, on va voir. Bon, c'est les premières missions, je pense que la difficulté ne sera pas excessive, mais bon. Ouf, certains alliés sont des équipiers avec qui vous pouvez vous collaborer. Si vos équipiers suivront vos ordres, vous commencez à disperser, garder ou se concentrer. D'accord. Se disperser, les équipiers combattront automatiquement les titans à proximité. Escorter ordonnera à vos équipiers de protéger les soldats alliés importants contre les titans. Et se concentrer, les équipiers attaqueront les mêmes cibles que vous. Ok. Les membres inclus des personnages vous donneront des objets lorsque vous ne bougez pas, ainsi que les personnages qui utiliseront les objets contre les titans. Ok, soumission complète. Alors, se concentrer, ouais. Allez, on y va.
Ça va, je commence à maîtriser la tridimensionnalité. Et bouffe! ありがとうな。もうみんなでやればなんとかなるもんだな。ヘレン、もういいだろ。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。 目標、壁機械照明、どう拝が負けない。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。いや、5年ぶりだな。こいつさらに壁を壊す気だ。 Bon! Allez, à nous deux! Tout le corps est un colossal et protégé par la vapeur. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je tire avec le canon? Alors, utiliser les joysticks pour déplacer le viseur et là et après j'appuie sur triangle pour tirer. Ok. Bon, il est pas très réactif, hein, c'est, je pense, la première mission. Ça y est, il commence à... Oh, putain! Ah! Où je suis? Ah, ça y est. Voilà, attaquer le bras du titan, j'avais pas vu. Fou, contre-attaque. Allez. Voilà. Ça va le faire, ça va le faire. C'est pas trop dur jusque là. Et encore, j'ai mis le jeu, attendez, je vérifie, mais il est bien en mode normal le jeu, hein, on est bien d'accord. Non, je peux pas les changer en plein combat, mais normalement oui, il est en mode normal. Parce qu'il proposait de le mettre en mode facile, mais non, non, quoi. Allez, bouge ton bras. On recommence. Allez, on y est presque. La nuque est bientôt accessible, j'imagine. Arrête de bouger. Voilà. Yattaぜ。うまくいった。よろい。
超大型巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う。5年前と同じだ。あいつは突然現れて、突然消えた。すまん、逃した。何を謝ってんだ。俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。 Bon, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé sur la mission, hein. Alors, un niveau de régiment. Et Eren, par contre, non, il prend pas un niveau. Ok. On prend des sous-sous. Alors, si vous attaquez avec précision et soumettez les titans tout en restant hors de leur portée, vous gagnerez des médailles. Vous recevrez des fonds du régiment supplémentaires selon le type et le nombre de médailles gagnées. D'accord. Donc j'ai eu une bronze, une argent et 3 d'or. Très bien. J'ai eu du bois, bon, ok. Alors, le titan colossal. Titan ayant soudainement apparu... Sur le... étant, pas ayant. Titan étant soudainement apparu sur le mur extérieur de Shiganshina en 845 avant de le détruire peu de temps après. Il était bien plus grand que tous les titans connus jusqu'ici, si grand que l'on pouvait l'apercevoir sa tête dépasser du mur. Ses mouvements sont cependant plus lents qu'un titan standard. La destruction des murs de Shiganshina, des mains de celui-ci et du titan cuirassé força l'humanité à abandonner le mur Maria. Alors, les titans passent par le trou que cette chose a fait. À ce rythme-là, la ville va être envahie. Eh bien, on va régler ça. Comment un titan de cette taille a pu nous prendre par surprise? Tu as assuré contre cette chose, Eren. Merci, mais j'ai raté une occasion de l'éliminer l'ennemi. D'éliminer l'ennemi de l'humanité. Et qui nous a infligé tant de dégâts. Évidemment, si tu arrivais, ce serait génial. Très bien, retournons à la base pour connaître nos prochains ordres. Mikasa. Ah non. Nous ne savons pas tout ce qui se passe. Comment la ville a pu se faire attaquer ainsi? Ce titan colossal aurait-il pour objectif de détruire le district de Trost ensuite? Ce n'est pas drôle, rejoignons la base, voyons ce qu'il en est. Ouais. D'abord on parle aux gens, après on voit. Eren, on n'a pas le temps de bavarder, nous devons voir ce qu'il y en est de la base. Ouais, tu as raison. Bon sang, où ce foutu titan colossal a-t-il disparu? Eren, ne me fais pas me répéter, le mur est tombé, nous devons partir. Donc ça c'est la mission. Toi, logisticien, nouvel équipement. Je voudrais un nouvel harnais. Alors, j'augmente la vitesse du rouleau, j'augmente la portée du grappin et la force. Est-ce que c'est mieux d'augmenter la vitesse ou est-ce que c'est mieux d'augmenter la portée? Je ne sais pas trop. Je pense que celui-là est pour l'instant plus intéressant. Ouais. Ok. Et ensuite, au niveau des améliorations, du coup, est-ce que je peux améliorer ma lame? Oui, je peux l'améliorer. Je peux tout améliorer, en fait. Apparemment. Allez, j'augmente le tranchant, j'augmente la durabilité. J'augmente le gaz restant et la pression. Je me demande si c'est pas plus intéressant d'améliorer ça, honnêtement. Ouais, je pense que c'est plus intéressant d'améliorer ça, d'abord. Oui. Voilà, et après j'ai plus de sous. Ok, donc on va vendre ce qui reste là, l'équipement pour l'entraînement, oui. Voilà. Donne le meilleur de toi-même, pas de soucis. Toi, je t'ai pas parlé. Que se passe-t-il? Comment ce gigantesque titan a pu apparaître derrière le mur comme ça? C'est exactement pareil à Shiganshina. Il est complètement différent des autres titans. Tu veux dire qu'il peut s'approcher sans se faire repérer? Ah voyons, une telle chose n'existe pas. Bah, il faut croire que si, hein. Il faut croire que si. Bon, bah écoutez, on en est à 25 minutes, je vais pas commencer la prochaine mission maintenant. On la commencera dans le prochain épisode. Bah j'espère que ça vous aura plu. Ne manquez pas le prochain épisode, puisqu'on va sûrement faire de la chasse aux titans. Dans toute la ville, ça risque d'être assez sympathique. Allez, sur ce, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, et on se dit rendez-vous la prochaine fois. Salut tout le monde!